Verseau et ascendant Verseau, voici votre horoscope pour ce mois de janvier 2024. Je vous souhaite une très bonne année et évidemment le soleil, comme d'habitude, est en Capricorne jusqu'au 20, ça ne change pas. C'est votre secteur 12, donc à mon avis, vous préparez quelque chose. C'est une période, souvent, la période Capricorne, période d'attente où vous préparez quelque chose, ou alors vous vous mettez en retrait volontairement parce que vous avez un travail à terminer. C'est très possible hein, que vous ayez quelque chose à mettre en avant à partir du moment où le soleil sera chez vous. En tout cas, il faut vous concentrer, ça c'est sûr. Il faut être persévérant dans ce que vous faites, ne pas lâcher prise. Parce que ça vous ennuie. Et c'est vrai que on peut penser, comme Capricorne, c'est Saturne, etc., que ce que vous allez préparer, ça va vous ennuyer, ça va vous prendre trop de temps, hein, vous qui êtes très impatient. Et puis à partir du 20, eh bien le soleil sera dans votre signe. Bon anniversaire au premier décan. Pluton aussi va arriver le 21. En conséquence, regardez quand même la vidéo qu'on avait faite avec Zoé le 21 mars 2023 parce qu'elle vous explique tout sur Pluton. Premier décan, c'est vous qui allez recevoir cette conjoncture qui peut être extrêmement enrichissante et forte de café hein, si vous êtes né les premiers jours du signe pour l'instant. Côté activité, eh bien Mars va être aussi en Capricorne, donc c'est pareil, hein, ce sont des énergies qui sont peut-être mises au service de la collectivité, puisque le secteur 12, ça représente la collectivité, d'une entreprise pour laquelle vous travaillez, hein. Disons qu'il y aura plus de travail, que ce sera... C'est peut-être ce qui va vous isoler d'ailleurs, que ce sera un petit peu plus pénible que d'habitude parce que vous trouverez que ça va pas assez vite, que ça prend trop de temps. Hein, et vous avez, les Verseaux, un problème avec le temps. Vous le voyez pas passer, il va toujours trop vite ou alors vous avez peur de manquer de temps pour faire ce que vous avez à faire. Mais... c'est pas la peine d'accélérer, hein. Vous le comprendrez là au fil des jours que ça ne sert à rien, que ce que vous faites sans tenir compte du temps, c'est en général mal fait. Il faut vraiment que vous preniez le temps hein, de faire votre boulot. Il est possible aussi que vous attrapiez un petit virus avec Mars en 12. Les défenses immunitaires sont sollicitées, donc il est très possible que vous ayez un gros rhume, une petite bronchite ou quelque chose de ce genre. Dans ce cas, soignez-vous, hein, ne laissez pas les choses aller en vous disant « ça guérira tout seul ». Ça guérit tout seul, mais ça met plus longtemps. Côté cœur, alors Vénus va être bien placée en Sagittaire, hein, dans votre secteur d'amitié. Donc amour ou amitié, les deux vous satisferont. Sauf peut-être les premiers jours du mois où Vénus est en dissonance avec Saturne. Peut-être que l'un de vos proches, un ami, quelqu'un vous manquera et que vous vous direz « oh ben j'aurais aimé qu'il ou elle soit là ». Une fois passée cette dissonance, c'est-à-dire vers le 4 janvier, eh bien, Vénus va jouer en plein son rôle. Elle crée du lien, hein. Donc, vous allez ou renforcer les liens avec vos amis, vos flirts, vos amants, ou alors vous allez vous en faire de nouveau, hein, parce que c'est le secteur 11, c'est quand même un secteur de... Verseau, hein, pour le coup, et qui privilégie la nouveauté. Peut-être que vous allez faire de nouvelles rencontres, que vos amis vont vous présenter quelqu'un, parce que la 11, c'est quand même l'amitié, ou alors que l'une de vos amitiés va évoluer vers quelque chose d'autre.
ça n'est pas exclu. Hein, et vous aimez bien ça, hein, l'ambiguïté d'une situation ne vous déplaît jamais à vous, le Verseau. Vous aimez être sur, voilà, hein, sur le fil entre les deux. Parfois, ça vous satisfait pleinement. Hein, vous n'avez pas besoin... pas besoin de plus. Mais bon, peut-être que l'autre aura envie hein, d'entrer dans une relation plus amoureuse. Le 4, le 9, le 16 et le 22 seront les meilleurs hein, jours de votre mois. D'abord hein, pour... certainement faire votre travail en... J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez. Et puis, bon, si vous voulez plus d'astro, d'abord vous avez nos lives du mardi et du vendredi, vous avez nos réseaux sociaux, vous avez le site, c'est l'astro.com, les consultations avec Zoé ou avec moi. Je vous souhaite un très bon mois de janvier.